Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter une voiture qui qu'en jette carrément. Alors je ne suis pas spécialiste de ces voitures, il va nous en dire plus. C'est une Subaru, ça je le sais, mais un modèle un peu plus spécifique. Présente-nous aujourd'hui toi et ta voiture. Bonjour, moi c'est Laurent. Bonjour Alex quand même. C'est une Subaru au départ, c'est une WRX7. Que j'ai récupéré en très très mauvais état, abandonné, que j'ai transformé en 8, et en STI 8, exactement. Donc transformé. Toute la face avant. Toute la face avant, tu l'as changé. C'est pas la même, ça. C'est plug and play, t'as dû modifier, avant, se modifie un petit peu, mais par contre les ailes, le capot, le pare-choc, c'est tout toi qui a du coup. Ça se monte en lieu et place. Elle a quand même. La face avant, les fixations derrière qu'il faut modifier un petit peu. Là, le capot carbone, tu l'as acheté comme ça. Ah ouais, le capot carbone, tu l'as. Ouais. Waouh. Directement. Alors, je sais pas si elle rend en vidéo, mais autant te dire qu'en vrai, elle en jette vraiment. À ce que j'ai pu entendre, c'est ton daily. C'est ça. Ma voiture tous les jours, ouais. Donc tu roules tous les jours sur la route, tu vas au travail avec, tu vas le dimanche avec, Wow. Avec les vacances qu'on fait pas parce que voilà, avec les enfants c'est pas évident, mais sinon on va de partout avec. Donc pareil, hein, t'es de la région lyonnaise? Ouais, bah de l'Ain exactement, mais à Rayon, ouais. Rencontrer ça sur la route, je pense qu'on peut faire un petit coup de volant et oublier sa route, hein, parce que en plus elle est bichonnée parfaitement. Ça fait 6 ans que je l'ai. Voilà. Donc, apparemment, tu l'as acheté dans une. Chez un particulier, j'allais chercher une pièce d'une autre voiture et j'ai vu celle-ci en caisse nue, sans moteur, sans rien, toute désossée, abandonnée. Et, voilà. Et c'est toi qui l'as restaurée complète. Moi, Subaru, depuis que j'ai goûté à ça, je. Donc, voilà. Donner une nouvelle vie, quoi, voilà, une voiture, ça fait plaisir. Le moteur? Ouais. C'est un moteur d'origine, t'as fait quelque chose dessus? C'est un moteur d'origine de STI8, ouais, qui a été juste forgé en plus, histoire que ce soit plus fiable, et pour mettre un peu plus de chevaux en plus. Et puis qui n'est pas fini encore, mais voilà, au moins le bloc en lui-même est prêt. Alors Subaru, on parle d'une voiture 4 roues motrices, bien sûr. On va aller faire un petit essai routier, et puis après, peut-être à voir si elle glisse cette voiture. Bon. On va faire un tour? Allez. Allez, monte derrière. Oui, pas ça. Habitude. Bon? Ouais, t'as vu où il est parti Là, il a préparé. Ouais, voilà, ouais. Et... tu verras, il y a les cônes de toute façon. Ouais. Bon, je crois qu'il faut que je l'avoue. C'est la première fois de ma vie que je monte dans une Subaru. Je pense que je suis pas le seul, mais c'est une voiture qui fait rêver énormément de gens. On a percé sur les jeux vidéo, sur les premiers jeux vidéo. C'était la voiture absolument qu'on voulait... à voir, moi je roulais que dans cette voiture, que ça soit sur la Game Boy, la PlayStation. Depuis le rallye, les championnats des rallyes. Ouais. On a tous. Donc t'as dit que voilà, tu conduisais cette voiture tous les jours. En voiture tous les jours, ça se roule bien. C'est... Ah, oui, bon, ça va très bien. Oui. Ouais, c'est un peu raide, mais bon, après. Voiture de sport pareil, ça n'existe pas. Oui, oui. Comme voiture de sport qui consomme pas, ça n'existe pas. Donc, ouais, moi ça va bien. Pas de problème de fiabilité à rouler tous les jours Moi, aucun. Avec l'ancienne, j'ai jamais eu de soucis. Avec elle, j'ai eu une fois une boîte, mais c'était moi un petit peu en con. Mais sinon, j'ai jamais rien eu de. J'ai jamais rien cassé. Pourtant, ça fait 16 ans que je roule en Subaru, j'ai jamais rien cassé. 16 ans que tu roules en Subaru ouais, 10 ans l'autre, c'est là 6 ans. Waouh. Vas-y. Ça a l'air d'accélérer, de freiner.
Je le rappelle, on est sur une 4 roues motrices, donc les capacités de ces voitures sur neige ou en col de montagne sont extraordinaires. Ouais, ouais, vas-y, on va aller. Est-ce que tu veux nous montrer si ça glisse ou pas ta voiture? On est sur une 4 roues motrices, donc pas facile sur le béton. Le but de cette voiture, c'est d'accrocher, et là on lui demande de décrocher. Donc totalement l'inverse de pourquoi est créée cette voiture. T'as tiré le frein à main sur une 4 roues motrices, comment ça se passe? Pareil comme une voiture normale, ça bloque les roues arrière, simplement. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu me donnes l'autorisation bien sûr. De rouler avec ta voiture? Pas de soucis. Est-ce que vous êtes prêts? Pour la première fois de ma vie, je vais essayer de faire drifter une Subaru. Je vais me conduire proche. Parti pour un essai avec une Subaru. Donc comme je l'ai dit, c'est la toute première fois de ma vie que je roule avec une Subaru. On n'a pas besoin de faire 10 000 tours pour déjà avoir un volant qui est super réactif, précis. Il y a pas, on cherche pas le volant. C'est pas une américaine là. Bien sûr, c'est pas ma voiture, donc on va y aller doucement. On va essayer de drifter la voiture. Tu vas me valider, voir c'est toi qui validera. Je préfère la prendre à la. Ouais. Tu mets, t'as fait en première, ouais? Ouais. Première, je sais, y a plus de. Ça va mieux. Je suis étonné que par rapport à une propulsion, du coup. T'as envie de. Quatre roues, hein. Est-ce qu'on fait un dernier tour? Allez, let's go. T'as tiré le frein à main, ça fait pareil qu'une voiture normale. Ah hein. Oh ouais, bah c'est pareil. Ouais. Facile, hein. C'est vrai, c'est dur. Hein. C'est
Ah, ça reprend direct. Eh ben, merci énormément de m'avoir fait ce plaisir de conduire ta Subaru. Bah de rien, merci à toi. Est-ce qu'on valide la glisse ou pas? C'est un peu plus dur, mais... C'est pas facile en 4 roues, je l'avoue. Il y a eu un semblant de glisse, mais on l'a senti partir. En tout cas, bah, un grand merci de m'avoir merci fait le plaisir de me montrer ta Subaru. Et j'espère que cette voiture vous aura plu. Salut.